What's up guys, deuxième break en deux jours, Mojo Break. Allez subscribe à leur YouTube channel, je vais faire mes breaks là maintenant. Finalement hier, j'ai été un petit peu déçu pour rien. Cameron Johnson, True RPA, 29 de 49. Ça vaut 2000 US à peu près. Fait qu'on lui souhaite une très bonne saison l'année prochaine. Pour qu'on soit plus contents ensemble d'avoir une carte qui vaut vraiment cher. Fait que le football, ça commence. Je l'ai montré hier, mais Matt Ryan, 1-1. Panini, man, c'est ma carte de football en ce moment. Fait que j'espère qu'il va avoir une bonne saison. Fait qu'on s'en va, National Treasure. On est parti. On enlève le seal. Fait qu'on se souhaite Kyler Murray à 100%. Les boîtes sont folles. Ah. Fait que ça, c'est environ 2000 Canadiens environ. C'est la carte des cartes, encore une fois, la collection. Fait que si vous voulez investir dans des grosses cartes, vous faites pas ce que je fais, OK? Vous achetez des cartes seules. Genre comme ça. Fait que c'est ça. Hier, j'ai ouvert basket, ce soir, football. En plus, la saison de football recommence. Fait qu'on est parti. Shape moins qu'hier. J'ai pas de carte à 1 million là-dedans, mais quand même. On peut frapper fort quand même. Alors, on est parti. Première carte. Isaac Bruce. Fait que pour ceux qui sont fans de football, la saison est recommencée depuis jeudi. Puis pour ceux qui sont fans de cartes aussi, vous savez que les prix vont exploser ben, par rapport aux performances des joueurs qu'ils vont avoir. Fait que je vous souhaite une bonne année de pool de cartes de football aussi. Fait que première, Isaac Bruce. Mark Andrew. Belle National Treasure. Tellement belle. Là, je vois la prochaine de bon vieux. Un bon vieux joueur ici que je vais vous sortir. 85 de 99. Le bon vieux à Tiki Barber. New York Giants. Vraiment belle. Patch. Tiki Barber. 85 de 99. N'oubliez pas d'aller vous subscribe à Mojo Break sur YouTube. Ils break toute la journée. Vous pouvez acheter des breaks aussi. Vous pouvez acheter des boîtes. C'est vraiment cool. Belle compagnie. Puis vous allez voir qu'il y a un break à l'infini. Next one. C'est parce que moi, je vois la prochaine. Kieron Johnson, 3 de 49. Belle carte. J'aimerais ça comme pogner une carte, sauter dans les airs, tout casser, le câble tombe en arrière, le micro arrache. C'est la beauté des cartes. Kevin Johnson, 3 de 49. Next one. Non, c'est pas ce que je sais. Alexander Madison. Belle. 74 de 99. J'ai eu peur, j'ai vu un gars des Chiefs, j'ai dit ah non. Ok. On a un beau duo ici, guys. Michael Arden Jr. Hunter Renfro. Bon, là on tombe les rookies. Notre première rookie s'en vient, guys. Ah, c'est pas de la casser. Ce qui serait très dommage si je peux l'avoir.
On aurait pu faire un bloopers avec ça. Rookie! 92 à 99. Rashan Gary. Il reste trois cartes, les amis. Si on frappe, on frappe ensemble, on va avoir du plaisir. Je vais vous avouer que mes deux premiers breaks, c'est quand même deux grosses boîtes. J'ai pas la. Le feu au doigt, comme on dit. Bryce Love, 6 de 25, rookie. Belle carte. Les cartes sont tellement belles. Un autre duo ici. Prime Pairing. Deux gars que je connais pas, qui ont l'air d'avoir 175 ans chaque. Isaac Curtis et Ken Anderson. J'ai jamais entendu leur nom. Belle carte pareil. Et la dernière, et non la moindre. Je vais vous avouer qu'on n'a rien frappé de gros dans les deux boîtes. De gros, je veux dire gigantesque. Là. Easton Stick. 75 de 99. Rookie. Fait qu'on se souhaite que ça soit le QB futur des Chargers de Los Angeles. Fait que c'était mon deuxième break en deux jours. On va en refaire un autre dans deux semaines, je pense. Puis je commencerai pas à breaker des boîtes, il y a plein de monde qui me le demande, je breakerai pas pour vous autres. Mais je vais vous montrer les boîtes que moi je break. Puis je vais vous montrer les cartes aussi que j'achète à tous les jours. Mais si vous aimez ça, breaker puis tout ça, vous gênez pas. Mojo Break, vous allez vous abonner à leur chaîne YouTube. Fait que je nous souhaite de meilleures chances et de meilleures cartes la prochaine fois. On a eu du plaisir pareil, guys. À la semaine prochaine. Bon, ben, toute la crise dans la...